Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 21e épisode. Et vous avez remarqué, j'ai pas beaucoup bougé, voire pas du tout. On se retrouve pile poil au même endroit. Je sais pas si vous vous en souviendrez, hein, parce que en général, je laisse au moins un jour d'écart entre chaque épisode. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'il faut que j'aille. C'est assez trouble. Bah on va faire comme dans les labyrinthes, hein. Écoute, on va suivre tout le temps là à droite. Ah, bah voilà. Par exemple. Ouais. C'est quoi tout ça? Ça peut pas être un quartier général, hein. Moi j'y crois pas. D'accord, donc en fait les pièces sont relativement petites. Je vais pas me perdre en fait. Je pense pas en tout cas. Attendez, ouais, mon micro est allumé, c'est bon. Waouh! C'est du faux, hein! Mais quand même. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est étrangement calme. Ils auraient pas laissé Abby toute seule quand même. Pourquoi j'irai là? Ok. Je l'ai ramassé là? Dis-moi en plus. On monte pour redescendre. C'est parfait. Bon, s'il y a un moment des ennemis là, on n'est pas bien. Hein. On va être charrette. Ah. Merci. Encore? Merci. Là. Rien. Ah, si, des petits stimulants. En fait, parce qu'elle se met devant, du coup, je peux pas trop voir ce qu'il y a. Ouais, ouais, ouais. C'est assez sombre. Est-ce que tu te caches, bordel ? Je vous conseille de regarder l'épisode de... dans une pièce à l'abri du soleil. On peut juste casser la fenêtre, non? Non. Trop facile. Je vous conseille vraiment de vous mettre dans l'immersion. Donc soit vous regardez le soir ou fermez vos volets. Sûrement un autre passage, tu dis? Ça doit jouer en hauteur vu qu'ils aiment bien la verticalité maintenant. Ouais, c'est là. Je suis le boss. Je sais pas trop quoi dire à ce moment-là. Je dois bien avouer. Le jeu ne m'aide pas à trouver un bon sujet. Sans vraiment détonner avec le reste du jeu. Non. Bah c'est génial. Putain de clébard. C'est génial, écoute. Je peux pas... Ah si, voilà, je peux le faire. Fais voir un peu qu'est-ce qu'on a. C'est le chien d'Abby peut-être. Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré mais... Les chiens, en fait, faut juste spammer le carré. Ah, qu'est-ce que c'est? Putain. C'est quoi ce bordel? Pensez que c'est une mise en scène? Parce que le chien avait pas l'air blessé en soi. Enfin, maintenant, il est encore moins maintenant, mais... Ok, il y a une porte ici. On va pas la prendre tout de suite. On a des trucs à gauche, à droite. Qu'est-ce que je fais? Je prends la porte, la double porte, ou je continue ici? Ça a l'air d'être dans le coin. Je soupçonne que ce soit au bout de ce couloir-là.
Parce qu'il y a un crabe. Et il est croustillant. Là, c'est quoi? Putain, c'est immense. Attends. Je vais aller voir ce qu'il y a à la porte ici. Pour être sûr qu'elle soit bien verrouillée, au moins. Voilà. Non, mais je préfère avoir le cœur net. Ok. Peut-être qu'on est forcément obligé de passer ici. Donc c'est leur dortoir. Sympa. Il y a pas mal de portes verrouillées. Hein. Tiens, je vous mange tout vos restes. Merde. Quoi? Ah, c'est parce que j'ai fait du bruit. Owen Moore. Owen. Sérieux? Putain. Owen. Pardon, ça fait deux fois que je tape dans le micro, je suis vraiment une merde. Alors, fais voir qu'est-ce qu'elle nous a écrit. Ouais. C'est pertinent. Non mais Owen, je sais pas, j'ai un feeling très étrange à propos de ce gars-là. Je sais pas quoi penser de lui. Parce que techniquement, sa copine est enceinte. C'est une ancienne luciole. Bon bah on va au crabe. Écoute. Personne ne revient de cette île. Combien de fois Abby a risqué sa vie pour toi? Elle a fait son choix. Moi j'irai pas la chercher. Alors rentre. Va-t'en. Va chier, Owen. Mains en l'air. Où est Abby? C'était toi la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Tu promets de nous épargner? Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Toi. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite, à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop! On peut parler. Recule, connard! Montre-moi où elle est. Mange-toi, putain! Owen! Dis-moi où est Abby. Elle est... Où elle est, putain? Enceinte. Elle est enceinte? Moi j'ai entendu, il y a pas y a écrit inaudible, mais j'ai entendu, hein. Putain, yes! Tout va bien. Eh bien, on s'en va. On s'en va. Tout va bien. Ah, quel soulagement! Ah, mais par contre. Ah, par contre, je suis trop déçu, quoi. Mel et Owen, c'était les deux que je voulais absolument pas tuer pour le coup. Hein. C'est un accident, on va dire ça. Ah, ça fait plaisir de revoir Jesse avec Tommy.
Oh la vache! Putain, Tommy est vivant! Déjà, ça nous enlève un poids. J'avais tellement peur que dans un des trailers, il y a un mec qui a le crâne rasé et tout ça et qui se fait torturer. Et je me suis dit, putain, ils vont nous faire. Ils vont nous le mettre sous le nez que c'est Tommy. Et en fait, ça va, il va bien. Enfin, j'espère que j'ai pas halluciné au final. Et Jesse aussi va bien. Les deux ont l'air pas mal en forme, très étrangement. Et j'adore ces petits moments de tendresse là, avec notre amie Dina qui est pourtant très très mal en point. Enfin, j'imagine même pas tout ce qui se passe dans la tête d'Ellie à ce moment-là. Ah la vache. Sa copine est enceinte, elle tue une femme enceinte. Ça doit être traumatisant quand même. Ça doit être pas facile à vivre. Attends, on va écouter vite fait. L'idéal, ce serait quand même qu'on rentre à Jackson, non? L'idéal, c'est que maintenant qu'on a récupéré Tommy, maintenant que on sait que Dina, bah, presque tout le monde va le savoir, hein, il faudrait mieux rentrer. Plutôt que d'aller chercher Abby à tout prix, en plus on sait pas si elle est vivante. Ce serait cool. Ça va pas le faire, il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Il méritait ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Ouais. Tu peux l'accepter? Ouais, faut bien. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Je sais reconnaître de l'or, hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi? Ouais. Ellie. Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord, alors disons que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça. Merde! Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! N'écoute pas, je te dis! Toi, tu la fermes! Merde, d'accord. Arrête! Stop! Jette ton arme! Jette ton arme! Merde! Non. Je sais pourquoi t'as tué Joël. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat.
il est... Ok. Quel bordel. Donc bah Jesse est mort. Hein. Putain de merde. Ça va vite dans cet univers, j'ai l'impression que ça va très très vite. Mais elle est déjà baraque, hein, 4 ans plus tôt. Elle doit avoir quoi, 16, 17 ans. Ok, bon, l'intérêt c'est qu'on garde Tommy en vie. Jesse c'est mort dans tous les cas. Et Dina aussi, faut qu'on la préserve. Par contre, Abby, je suis désolé, mais je t'aime vraiment pas. Hein. Parce que le coup de « on vous avait épargné », tu te doutais bien qu'en laissant des survivants, ils allaient vouloir se venger en fait. Genre, t'es naïve à ce point-là, hein. Comment ça se passe? Tu te doutais bien que si tu tues le père d'une fille, ça va pas s'arrêter ici en fait. Bon, où est-ce que je vais moi? Je suis un peu perdu là-dedans. Allez, papa! Arrête un peu avec ça! Bah oui, arrête un peu, je te trouve pas. Je suis perdu, moi. Papa! Oh! T'es où? Daddy! Daddy cool! She's crazy like a fool. Oh my daddy cool. Ah, peut-être par là. C'est parti. Ah, tu changes vite d'émotion quand même, toi. Bon. Papa! Bah, défonce la grille, on sait très bien. Comment je fais pour passer au-dessus de la barrière? T'es un bulldozer. T'es un bulldozer, Abby. je la joue là, mais j'ai envie de speedrun. Hein. Je prends aucun plaisir à la contrôler. Hein. Ok. Aussi, on a une sorte de truc. Le Zoo Festival, ok. On s'en fout. Bien compris que ça se passait dans le coin. Hop, c'était juste ici. Wow. C'est pas vrai. Mais arrête de faire la gentille là, je te jure que ça m'énerve. Putain. Oh là là. Ah, je suis. Je suis pas content. Ouais, je suis pas content, je rate mon lancer en plus. Une autre bouteille. Voilà. Ça a marché. Et maintenant? Ok. Visez-moi ça. 1978. On peut pas passer par là. On s'en fout. Je peux peut-être monter sur le toit. On s'en fout, ma sœur. 1978, ta pièce de mort là. C'est parti. J'en ai rien à carrer de ton truc. Là. Ah, moi je suis Team Jackson. Okay. Hein. Même si elle vient de Seattle et tout, je suis pas Team Abby, moi. Pas du tout, même. La classe, Abby. Bon, on va éviter de tomber. C'est là. Là, on ressent le côté Uncharted. Hein. Abby. Tu as de la boue un peu partout, chérie. T'en as aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Ok. J'ai peur que ça parte dans un truc un peu chiant. Owen a vendu la mèche, c'est ça? Mais c'est toi, Owen, non? Ce qu'il fallait faire. Tu ressembles à Owen. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Je l'ai pépon. C'est con parce que Abby, là, elle est
Elle est pas si moche que ça en soi. Hein. Elle a dû traverser l'aire de jeu. Bien. Elle a juste un petit peu trop de pec à mon goût. Mais ça me regarde pas. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens. On s'y remet. Ok. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Attendez, le but c'est quoi là? Le but c'est de nous refaire les mêmes scènes, Ellie Joel, mais avec Abby et son daron. Je comprends pas trop le délire là. Oh mon dieu. Oh, what a shame. Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. Et d'un coup, vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi, désormais. Et donc, tu profites de la situation. Moi? Jamais. Mais qui es-tu, étrange monsieur? Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard? Je ferais jamais ça. C'est quoi, c'est une biche? Et ça marche? Ça a des sabots en tout cas. J'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh! Ça t'arrive pas d'écouter. Qu'est-ce que c'est? T'as des éclairs de génie parfois. C'est ça qui est mort. Tout simplement. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Et pourquoi on prend nos fusils? On va la battre. C'est ça que t'es en train de me dire? Abby. Ouais, j'arrive. Allez. Papa, attends. Et s'il y avait des infectés dans le coin? On craint rien ici. Il l'aurait mangé. Ils peuvent être n'importe où. C'est sympa cet endroit en soi. Hein. Évidemment. J'aurais kiffé le visiter avec Ellie. Pourquoi nous, on a, avec Ellie, on a les pires décors et elle a des beaux trucs. Abby. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok. Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen! Tiens là! Allez. Attention. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Mais doucement. Oh putain de merde. Tout le monde vous cherche. Attendez. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Allez. On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... Faut que vous alliez voir. Papa... On y va.
C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités, tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. T'as pris la bonne décision. Tu m'opères. C'est donc un revival. Putain, on va revenir combien de fois dans cet hôpital des ténèbres? On va peut-être courir, peut-être. C'est par là, j'imagine. Putain, il est encore dans les parages. C'est... Abby. Non. Abby, relâche-toi. On est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule. Tu te calmes. Ou quoi? Recule, putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. On est de retour au jour 1.
Vraiment? Abby? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux, là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vámonos. Ok. Ça me perturbe vraiment son... ses bras et tout, hein. Je cours en vrac. Ça me perturbe beaucoup. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui, cette fois? La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télé, alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... Oh putain! Et ça valait le coup? Ouais, ah ouais. Carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Ah, ils sont bien équipés, eux. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. Ils sont jacked. J'arrête pas de me dire la même chose. Jackton. C'est pour ça qu'elle est musclée, au fait. Ils ont juste voulu justifier... Regardez la taille de mes bras, c'est parce qu'on a une salle de muscu, rien qu'à nous. Mais c'est con, parce qu'en soi... Ouais, elle est pas si moche, mais j'aime pas trop sa musculature, ça me perturbe. Ça change rien à l'histoire, hein, mais... quand même. Quand même. C'est très bizarre, j'ai pas envie de jouer ces méchants-là, moi. Ah, qui ont pas l'air d'être bonjour, si méchants. Oh, elle aussi? Un gentleman sait tenir sa langue. Waouh. Attends, mais c'est des lucioles encore, non? C'est pas possible. C'est pas des wolves. Bon, on avance, nous. Hein. Faut que je parle à mon père 2 secondes. Tu nous prends à manger? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc con picante. T'auras ce que t'auras. Un truc con piquante? Soit il m'a traité de con, soit il m'a traité de piquante. Là j'ai des doutes. Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fais là? Eh, Custo! Custo! Ah non, vous, c'est la plonge. Content de te revoir aussi, Abby. Je pointe te parler, toi. Hey, Jordan, je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Très très bien ce petit proverbe là. Toi, est-ce qu'on peut te parler? T'as l'air un peu seul dans ta vie, non? Non. Et là, cet enfoiré, il essaye de me planter. Merde. J'ai juste eu le temps de reculer et de tirer. Qui parle? Et ça lui a arraché la tête. Bien fait. Par contre, ça l'a pas achevé. Ah, c'est bon. Il a encore 5 bonnes minutes après. Mais non, c'est là que ça parle. Bon, bref. Il y a Donald Regno encore. Comme toujours. C'est où qu'on mange là? On passe beaucoup de temps avec lui quand je suis en mission. Je me crois dans Spider-Man PS4 là. Ah, c'est là. Merde, faut faire tout le tour. Tiens. Bonjour. Ah. Abby. Vous allez bien? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça? Non, j'ai essayé. Eh. Hey. Ça me va bien. Te ves horrible. Bueno, faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous, bien sûr. Tiens, toi, t'as quelque chose à dire? Non. C'est étrangement bien organisé. Il y a même des trucs de vêtements. Salut. Est-ce que t'as le savon que j'aime bien? Celui au pain. Non, désolé. Mais la section à côté attend une nouvelle cargaison.
Tu pourras aller les voir demain. Tant pis, merci quand même. J'espère ne jamais avoir à revenir ici. Hein. C'est horrible. Ils ont l'air gentils. Et à la fois... Je sais pas quoi en penser. Il y a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Au moins on a de quoi se défendre. Abby, qu'est-ce que tu fais? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue? Putain, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Et peut-être parce que j'articule mal? Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. Oh, moi je passe par là, obligé. J'ai à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire, sois gentil à chaque fois? Manny, tu veux nous faire aussi, toi? Non. Je ferai ça plus tard. D'accord. Donc même niveau interaction, ils ont trouvé des trucs pourris. Je suis désolé hein, d'être comme ça là. C'est quoi ça? Kage no katana. Ok, c'est Ghost of Tsushima. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas la ref. Et je suis sûr qu'il y a plein de trucs. Ça, on dirait God of War. Attends. Ça ressemble, mais il a des cheveux. Oh, mais on est où là? Non! Non! On n'est pas là où je pense! My god! On est au Century Linkfield là. Une scientifique, hein? Oh. Attends! Ouais! Non, attends, c'est délirant. On est... Il y a des gens là-bas. On est au putain de stade des Seahawks, des Sanders, des Dragons. Oh là là, incroyable. Toc toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Hey. Essaye encore. C'est ce petit côté americanos là qui me dérange. Ça fait un peu forceur, je suis désolé, hein, mais. Mais on est au Century Linkfield. Vas-y, tu fermes derrière moi. Tu seras bien sympa. Ah ouais. Là, vous me faites kiffer. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air... Je vous avais dit que Mel était pas si méchante. Comment ça? Enfin, quelque part, elle voulait nous abattre, Ellie et Tommy, mais... Ça va? Salut.
Salut. Je suis désolé si vous entendez du bruit dans mon micro. Il se trouve que ça va être une journée assez chargée dans mon immeuble. Il y a un anniversaire. Qui va faire à peu près de 15h à 22h. Donc ça va être énorme. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est... c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Ouais, mec, je suis déchiré. C'est rigolo. Ah! Une minute, on va en préparer d'autres. Ah bah, ça, ça fait du bien. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir Berg. Il a encore rien vu du tout. C'est ouf leur installation quand même. Patrouille avec Danny. Danny? Aïe. Pas de bol. Par contre, s'ils ont tout ça juste pour faire des burritos, ça raconte pas la digestion, hein. Ok, putain, ah ouais, ils ont vraiment pensé à tout. C'est énorme. Toi, tu fais la lessive? C'est bien. C'est bien la répartition des tâches, ça fait plaisir. Vous avez des choses à raconter, vous? J'ai envie de me balader partout, du coup. En fait, le truc, c'est que je regarde pas le centre de l'écran. C'est-à-dire là où il y a ce monstre. Et ça passe un peu mieux. On va dire. Tiens, on peut pas prendre une petite patate là pour le chemin. Par contre, s'il pleut... ouais, bon, on est à moitié à l'abri. Ils ont extrêmement bien refait le stade. Hein. Comment ils l'ont appelé? Le Soundview. Ah ouais. C'est l'ancien nom ça. Hein. Ça c'est malin. De toute façon, Centurylink, c'est une marque. Donc, pour éviter de payer des droits, c'est énorme. C'est énorme. Ici, il y a normalement le lever des drapeaux avant chaque match. Et d'ailleurs, je crois que c'était le mois de juin. Mois de juin ou juillet, c'était le mois de la fierté, de Pride Month. Et ils ont fait le lever des couleurs avec le drapeau LGBTQ+. Je connais pas les autres lettres. On emmène Alice. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, ah, c'est on va chien. La chercher. Eh, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Eh, hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse, hein. Eh, hey, Al. Tu veux voir les camions? Allez, on y va. Toi aussi, tu veux une caresse? Oh, salut, Grizzly. Non, toi, tu veux jouer. Ok, mais juste parce que t'es gentil. Monsieur qui est le meilleur? Mais Grizzly... Grizzly, c'est celui qu'on a tué tout à l'heure, là, non? Je vais te lancer ça, ici. Ça sert à rien, on est bien d'accord. Ah, il la ramène. Tiens, tu vas voir. Tu veux connaître qui c'est Abby? Tiens, va chercher, mon con. Eh ouais. Désolé, c'est ma faute. Eh ouais, bah je suis Abby. Écoute, je suis une pure connasse. Ouais, c'est gratos, hein. Je t'ai pas aperçu avec Jen hier soir? Oh, peut jouer au foot. C'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle non, on peut pas. Un truc pour Isaac. La vache, elle doit trouver le temps long là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Au moins, elle n'est pas obligée de se battre, elle. Je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper. Et juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus bousiller de ça. Par contre, le chien... Non, je crois salut, pas. Abby. Fait un bruit de cheval, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Wolf repose en paix. Ok. Salut, Pat. Hey. Oh, Pat, t'as une vraie voix, toi. Salut, Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y'a quoi comme bagnole? Prenez la S24. Je conduis. Tu signes. Pantero. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. C'est bon là, vos références, on n'est pas dans Star Wars, putain.
D'accord, on doit s'échauffer. Bah ouais, vas-y, file. En vrai. On va vite fait tenter de tirer et puis après on va s'arrêter là. Et si on se faisait un petit concours ? Ah d'accord. Nettoie l'appart. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein ? Ok, cabron. Certes. Un chargeur plein. Quelle arme tu veux ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça rajoute plus de points ici ? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Oh putain, j'ai les doigts qui glissent. J'ai gagné. Non mais là, j'ai tout transpercé mon pote. Hein. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. C'est pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Voilà, j'ai un trophée, tireuse d'élite. Nickel. On s'en va ? Non, j'ai dit qu'on s'arrêtait là. Donc on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu ce 21ème épisode. Ça me fout les boules de quitter, de vous quitter avec Abby là. Bon, regardez sa tronche. C'est assez délirant. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode. Activez la cloche. Après, vous êtes abonné, vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis merci et à très très vite. Ciao !